Yeah. Cette chanson peut représenter plusieurs personnes. Pour d'autres, ça peut être un signe pour faire attention. La vie, c'est pas un jeu. Yeah. Pendant plusieurs années, on l'avait mis à l'écart. Bon, à l'école, dans ses travaux, il n'était jamais en retard. Avait une couple d'amis, en fait, c'était tous des connaissances. Quand il y avait des parties, on lui faisait pas connaissance. Les gens parlaient dans son dos parce qu'il était encore plus sot. De la drogue et du sexe, les autres étaient accros. Ils trouvaient ça beau. Eric Prigou, style de vie des gens autour de lui. Alors vendredi, comme tactique, il s'était dit qu'il finirait avec une femme dans son lit. Rencontra Marie, se tomba sous ses tises. Très tôt tard qu'il réalise que dans sa vie elle avait le contrôle. Elle occupait un mauvais rôle. Il lui voyait de l'avenir, il lui avait donné son cœur. Il a jamais vu venir que c'était un parmi plusieurs. Les mauvaises décisions amènent souvent des conséquences. Il a fait sans protection, comme les cons s'élancent. Et comme un con sans condom, il avait fait ce fut un pacte avec la vie contre ses intérêts. Contre ses intérêts, yeah. Contre ses intérêts. Les désirs ont pris le dessus sur son âme. Savait plus quoi faire. Il essayait de rester calme. Il voulait être populaire. Mais il était trop tard. Il foutut sa vie en l'air. Il s'est mérité une bébé sans tous enfants. Dime Peace 09. Hey yo, écoute bien. Belle femme en forme, elle respectait les normes, elle attirait les hommes, puis elle voulait pas de chum. Marie se pétait sa crise en manque de sa dose. Je parle pas de Marie-Jeanne, Marie se faisait partie des hoses. Tapait tout ce qu'il voulait se rôter à elle. Je faisais sauter comme une sauterelle sur de elle, jusqu'à temps qu'on apprenne la nouvelle. Devenait fragile, devenait tranquille. Marie se voulait plus chill, parce qu'elle avait mis sa vie en péril. Devait payer des bills, son loisir c'était sa job, et aussi son propre. Elle cache le VIH, Marie avait des microbes. Dans sa valise, traîner avec elle, piler les hauts drogues. Son but, satisfaire sa propre tête et les autres thugs. Peu importe la situation, Marie était sous ça. Moi je te dis de faire attention. Tu vois cette femme, touche pas. Des maladies et une courte vie pour toi. C'est ça qu'elle t'offre, mourir pour elle. C'est ça que tu veux, c'est ça que tu vaux. Moi je trouve pas. Sa confiance, elle a souvent donné. S.A.I.R.A. Je t'ai vu grandir sous mes yeux comme je t'ai vu enterrer ton enfance pour rejoindre le terrain des grands soi-disant appelés l'adolescence. Un parcours qui t'a fait perdre prématurément ton innocence. Une innocence perdue au cœur de la rue, tu t'en balances. Vu que tu penses réagir par vengeance à une enfance vécue avec l'absence d'une mère et la violence d'un père. Celui-ci t'a offert des coups en espérant qu'un jour il t'ouvrira son cœur. L'amour parental n'était pas présente. Alors pour soigner ses séquelles, tu as mis en valeur tes parties génitales. T'as cru bien faire, mais que feras-tu lorsque la mort te prendra par la main et t'emmènera loin des autres? Qu'arrivera-t-il, hein? Lorsque la faucheuse frappe, impossible de faire marche arrière. Vu que dans ce monde préservé, tu n'as pas su le faire. T'as voulu connaître l'amour à travers mille et un hommes et des parties de gens vont l'air. Inconsciente de tes actes, croyants intacts. Avec les MTS, t'as fait un pacte. Impossible de l'annuler, ce qui est fait, fait. J'ai bien voulu te raisonner, sans voulant t'aider. Tu m'as tourné le dos, aujourd'hui le dos tourné, c'est toi que l'on pointe du doigt. Là j'ai parlé d'elle, en espérant que d'autres jeunes filles m'écouteront pour pas y faire les mêmes erreurs. Sachez que le sexe n'est pas un jeu. Pour bien savoir y jouer, faut bien apprendre à se protéger, ouais. Pour bien savoir y jouer, faut bien apprendre à se protéger, non.